Oui, bonjour, mon nom est Mike Romero et je suis avec Sancho de Cuba que los enchambre la salsa. Yes, sir. Yes, sir. L'autre unboxing, celui de la Légion de Collectors. Yes, sous le thème de DC Most Wanted. Yes, oh, on est là yeah. Pour l'autre unboxing, le thème DC Most Wanted qui se traduirait par les personnages de DC les plus recherchés. Donc on s'entend à du méchant, par contre j'ignore s'il y aura de l'épouvantail dessus. Il y a tellement de méchants de DC qu'ils ne peuvent pas seulement se concentrer sur les méchants de Batman, et ils doivent sûrement se promener, et ça va être difficile de représenter toute la méchanceté des vilains de DC dans une boîte. Mais je m'attends qu'on en ait surtout les plus connus, et peut-être pas de Batman du tout, c'est ce que je m'attends. On verra ce que la boîte nous dit, ne perdons plus de temps, on passe à l'unboxing. Donc comme à l'habitude, je vous montre le patch et le pins avant de procéder à l'unboxing. Donc. Oh, ok, le récapépète. Oh, ok, d'accord, non, il n'y a pas de patch ou pins. Très bizarre. D'accord. Une petite affaire pour mettre après sa valise lorsqu'on part en voyage. On peut son nom, son adresse, numéro de téléphone, au cas où on l'égarerait, on pourrait nous la retourner. À l'effigie du Joker. Oui, c'est intéressant. Mais où est mon patch, mon pins? Ah, le patch, voilà. C'est Legend of Collectors, Black Manta. Donc le Joker du Batman. C'est sûr que c'est l'un des méchants les plus reconnus. Je dois leur donner ça. Mais Black Manta, pas grand monde le connaît. Ah, d'Aquaman, voilà, un méchant d'Aquaman qu'on va sûrement pouvoir voir dans leur film solo Aquaman. Mettant en vedette Jason Momoa. Des collants. D'accord, des collants. Harley Quinn, Black Manta, Deathstroke. Et... Oh merde, son nom échappe. Hey, ton langage. Donc, oui, des méchants de Batman, Aquaman, Batman, Green Arrow, de lui se promène, et de Green Lantern, donc très intéressant. Sinestro, voilà. Donc, oui, très intéressant, des collants. Et le t-shirt, déjà, je ne pense pas avoir skippé le pins. Donc, le t-shirt... Voilà, Most Wanted, voilà, les plus recherchés, Harris, Lex Luthor, Sinestro, Joker, Captain Cold, Black Manta, génial, il y a du Wonder Woman, il y a du Superman, il y a du Green Lantern, du Batman, du Flash, de l'Aquaman, excellent, j'adore le petit ton rouge sur le t-shirt noir. Ça fait vraiment méchant, j'adore. Voilà, ça fait changement aussi des t-shirts popifiés. Des méchants comme ça, oui, très bien joué, Funko. Très, très bien. Donc, on continue. Je ne sens pas de pins, mais deux pops. On sacrifierait bien le pins pour deux pops. On se lance avec la première. Bane! D'accord, il y a du Batman, voilà. Donc oui, je pense qu'ils m'ont spoilé le deuxième à l'arrière. Ils nous montrent deux pops. Parfait, mais Bane, j'aime bien ça. C'est la version comics, voilà. Très bien, j'adore. Voilà, et le deuxième, donc, Lex Luthor, c'est ça, c'est bien ça. C'est le même derrière. Donc... Lex Luthor, voilà, ouh, très très beau. Ouh, je suis très content de ne pas avoir manqué cette pop-là. Il y a même des morceaux qui sont plus métalliques, donc la peinture est un peu brillante, métallique. Ouh, très
très très belle pop. Donc là, je me demande. C'est ça, c'est fini, la boîte est vide. Ah, d'accord, les collants viennent remplacer le pins. Bien que je commençais à trouver que j'avais beaucoup de pins. Briser une tradition comme ça, où est-ce qu'une patch vient avec une pins, et je pense surtout à mon ami Regis, aka le collectionneur, qui s'était fait un beau cadre avec le patch et le pins de chaque mois. Briser cette tradition-là, ça va sûrement briser son concept aussi. Je dois l'avouer que moi aussi, je pensais le faire, mais là, ils viennent de couper ça sec. Je sais plus. Par contre, les remplacer par des collants, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux, mais bon, c'est mon opinion. ce que j'aurais préféré dans la boîte, bien que les pops soient vraiment réussis, le t-shirt s'est surpassé. J'y vais pour le t-shirt, ça c'est moi, mais je veux savoir vous. Dites-nous là dans les commentaires, ça nous intéresse. Quel est l'article que vous avez le plus préféré? Et que pensez-vous de ce move de Funko? Ben, se débarrasser de la pin, c'est le remplacer par des collants. Dites-moi ça dans les commentaires, ça nous intéresse. Comme à l'habitude, si vous avez aimé ce que vous avez vu, un petit pouce bleu. Partagez pour que plus d'abonnés puissent se joindre à la page. Et encore une fois, ben, merci d'avoir regardé. Je vous dis à la prochaine. Ciao!